Alors mon rôle, je suis responsable école de foot, donc de U6 jusqu'à U13. Je m'occupe des tournois, futsal et extérieur. Je suis aussi intendant de la lingerie, donc je lave tous les maillots de U6 jusqu'à senior, toutes les semaines. Voilà. On est parti, on fait 2-3 pas chassés d'un côté et ensuite on change. Ok, 2-3 pas chassés d'un côté et ensuite on change. Allez. Exercices que tu fais, non? J'essaye de faire une base, ouais, de la même exercice, mais je varie sur 2-3 à la fin d'entraînement. Mais le début, c'est vraiment la même base. Ouais. D'accord. Pour moi, c'est obligatoire de montrer l'exemple, sinon ils ne comprennent pas à la juste parole, ils ne comprennent pas trop. Si ils voient, par exemple, là, ils vont tout de suite comprendre. D'accord, donc tu fais ça systématiquement? Toujours, toujours. Ils sont là pour travailler, hein. Ils travaillent dans la bonne humeur, mais ils sont sérieux, il n'y a pas un mot de plus que l'autre. Ils sont très sérieux. Ouais. Important le respect. Le respect, c'est la base de tout. Pour moi, si on commence sans respect, la saison va être très longue et très compliquée. Je leur ai mis une petite carotte, comme on dit, un petit objectif sur le temps. Et dès qu'on met un objectif, ben, ils se concentrent plus, mais c'est beaucoup plus dur parce que justement ils sont plus concentrés. Donc ils perdent de la lucidité sur l'exercice. Donc c'est plus dur. Hein. Et c'est important de monter crescendo comme ça? Ouais, toujours commencer sur une base un peu, on va dire, un peu facile pour qu'ils aient confiance. Et dès qu'ils ont bien compris, on augmente le niveau. Un gamin qui n'écoute pas les consignes, entre guillemets, comment tu remédies à ça? Je l'appelle sur le côté, je lui demande s'il a vraiment bien compris ce que je lui avais demandé. S'il avait compris et qu'il ne le fait pas, bah, je le laisse sur le côté pour qu'il réfléchisse. Et s'il n'a pas compris, bah, je lui réexplique et je le relance dans le jeu pour regarder s'il a bien compris. Ouais.